Vous êtes toujours dans le bœuf politique qui aujourd'hui nous massacre l'esprit. Voilà, c'est tellement gros. On parle du Cameroun aujourd'hui et on a l'impression que tout ce qui vient du Cameroun, comme chantait quelqu'un, feu Joey Dassin, on dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon. Voilà, on dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon du Cameroun. Alors, Alain Belaté, vous êtes en France aujourd'hui. Votre test Covid vous a coûté combien? 0 francs. Parce que vous êtes Alain Belaté, peut-être vous... Peut-être. Alors, je connais une dame qui était au Cameroun il y a 2 mois, avec ses 2 enfants. Ils ont dû débourser 500 000 francs pour avoir les tests Covid, sinon ils loupaient leur avion. Et je connais plein de personnes qui se plaignent, il y a des vidéos qui circulent. Une dame qui travaille ici, qui a dû louper son avion. De Bercy. Voilà donc. Elle m'a contacté, même je lui ai dit que c'était mal prise, il faut le dire aussi, parce que le test Covid au Cameroun, quand vous le faites 48 heures avant le départ, vous l'avez. Moi j'ai reçu le message avec le lien. Je suis allé le faire normalement, je n'ai pas bénéficié d'un passe droit, je l'ai fait normalement et j'ai reçu mon test Covid, que voilà. Allez, vous envoie un lien avec un numéro de téléphone. Vous cliquez sur le lien, il vous balance sur le site, vous téléchargez normalement. Vous n'avez pas besoin de vous dépasser pour l'avoir. Non, non. Vous allez le faire, vous donnez vos informations, vous faites le test, et bien après vous avez votre numéro de téléphone, il faut donner un numéro de préférence Orange, parce qu'ils ont une convention avec Orange, c'est gratuit. Quand vous êtes à la concurrence d'Orange, naturellement les messages viennent tard. Je crois que c'est ce qu'il faut que nos compatriotes de la diaspora... Je dis, moi je suis prêt à tirer, monsieur Mafo, je suis prêt à tirer quand les choses ne marchent pas. Mais ça, j'ai fait le test, ça marche. Ben alors ça, c'est imposer aux gens de s'abonner chez un opérateur téléphonique. Oui et non. Mais pourquoi faut-il être sur Orange? Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous prenez un truc à 100 francs ou 200 francs pour faire votre test. Il y a des gens qui ne veulent pas Orange du tout. Oui, mais ils ont le c'est Orange qui a signé une convention avec le ministère de la Santé. Pourquoi c'est maintenant le ministère de la Santé de pouvoir diversifier cela et fluidifier la transmission vers les autres opérateurs. Parce qu'il y a l'interconnexion que la société nationale consomme. C'est elle chez qui on paye l'interconnexion. Donc moi, je peux comprendre. Sur ça, je dis, monsieur Moifo, je n'ai pas à tirer sur... le ministère de la Santé parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, même si je suis d'abord allé à l'hôpital pour faire au centre là-bas de test, pour faire le test, c'était pas disponible parce qu'ils n'avaient pas de matériel. L'hôpital n'a pas de matériel pour faire le test. Je suis allé au centre de test là-bas en face de la mort, il n'y avait pas de matériel. Donc je suis allé au palais des sports pour. Cet hôpital, c'est où? C'est l'hôpital central. L'hôpital central de Yaoundé, qui est vu comme hôpital de référence de Yaoundé. Qui ont un centre à l'arrière, du côté de la morgue. On ne va pas dire qu'on est moi-même, j'ai naquis à l'hôpital central de Yaoundé. Donc là-bas, il n'y avait pas du matériel pour faire les tests. Non, il n'y avait pas de matériel. C'est ce qui m'a été répondu au bout d'une heure. Au bout d'une heure, on vous a laissé porter une heure pour dire qu'il n'y a pas de matériel. Non, non, pas de matériel, on ne va pas venir maintenant, sauf si vous revenez demain. Moi, j'étais... Je ne pouvais pas, je suis parti tout de suite par les Jésus, Jésus-Marie-Joseph. Bon, pour information, sachez que tout récemment, cette année 2021, le directeur de l'hôpital général de Yaoundé est venu se faire soigner en France. S'il nie cela, j'apporte les preuves. S'il ose nier, je diffuse les preuves. Non, ils disent souvent qu'ils sont venus en formation. Il est venu se faire soigner, j'ai dit bien se faire soigner, en formation. Si monsieur le directeur de l'hôpital général de Yaoundé ose nier, je diffuse les preuves. Il vient en séminaire, monsieur Moifo. Voilà. C'est comme ça qu'il justifie ça. Qu'il ose donc dire publiquement qu'il est venu en séminaire et il aura les preuves diffusées. C'est tout. C'est comme ça. Alors, quand on m'a informé, c'est jamais entré là où il se faisait soigner. Comment ça se fait? Il est directeur de. Ah bon? Parce que la pathologie qu'il est. Alors Belaté, parlons maintenant de... ça chauffe. C'est grave. Mais on est toujours dans le bœuf politique. Ouais, c'est très grave. Parlons maintenant, alors Belaté, de votre département, le CAM. Il y a une grosse guéguerre là-bas entre les hommes politiques de votre département.
qu'est-ce qu'il s'y passe? Samuel Motte est du GAM, non? Oui. Bon, bonjour à Samuel Motte du RDPC. Je l'ai vu la semaine dernière. Il va bien? Oui, c'est un grand frère correct et digne. Correct et digne? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et Pascal Sangayam digne alors? Il va bien aussi? C'est un aîné qui est bien. Et digne aussi? Digne. Ils sont tous dignes. Mais pour mon grand, pour lui, Messanga, il faut qu'il apprenne à ne pas suivre le vent. On peut être intelligent, mais pas sage. Mais tu sais, il a peut-être beaucoup suivi le chanteur français Renaud. Lorsque le vent soufflera, je vais partir. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les hommes politiques du CAM? Non, ce n'est pas les hommes politiques en tant que tels. Entre les Camois alors? C'est qu'il y a une jeune... Il y en a qui n'admettent pas les vies du passé et qu'elles continuent à ce jour. Moi, quand je croise mes frères, les Massois, qui sont les fils de... Bernard Massois II. Voilà. Qui était ministre des Sports, à son âme. Et secrétaire général de l'UPC. Mm-hmm. Moi, avec tous les honneurs, je les salue. Je suis content de les voir. Alain, qui est mon bon beau là-bas, je suis content d'échanger avec. Mais certains de nos élites, entre guillemets, se disent que pour ceux qui ont eu des parents nantis, nous devons leur faire voir de toutes les couleurs, même des couleurs. Je rigole toujours de cela parce que, en réalité, vous ne mettrez jamais un bois dans l'œil de Venda Fer. Jamais. Et cela se traduit dans tous les domaines de la vie. Moi, quand je croise le Nemout, il me reçoit. Moi, je discute avec lui normalement. Quand je reçois, quand je rencontre l'aîné Essoussert, mais vous avez l'impression d'avoir croisé un égal à vous. Il discute avec vous, il est prêt à vous écouter, à vous entendre, à accepter votre point de vue s'il est cohérent, s'il est bon. Pour d'autres, quand ils sont à des positions, ils décident même de violer la loi pour vous piétiner. Moi, j'ai eu un échange avec Gaston Combat et j'étais mort de rire des réactions qu'il y a eu derrière. Son huissier, qu'on appelle si c'est Majesté, m'a appelé pour me dire, le secrétaire général va vous recevoir tel jour, à telle heure. Il ne peut plus être disponible tel jour. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais me rendre disponible. C'est son emploi du temps qui est un peu serré. Je me rends à ce rendez-vous. Quand j'arrive, monsieur discute avec la secrétaire et l'autre collaborateur qui est au congrès secrétariat. Après, ils éclatent de rire. Il y a des gens qui disaient qu'ils étaient riches. Hein. Ils se mettent à rire. J'ai entendu. J'ai dit, mais franchement, vends-moi des ordures comme ça. Vous croyez que... On va pas être insultant. Vous croyez que attention, moi... quand même, attention. Moi, contre le propos. J'ai besoin de venir mendier quelque chose ici parce que ton frère est devenu âgé. C'est lui qui a pas appelé. Et si vous voulez qu'on mette toute la place publique, je suis prêt. Hein. Moi, je n'ai rien à perdre. Bon, c'est peut-être un règlement de compte familial, ça. Règlement de compte qu'on a quoi à discuter avec eux? C'est des villageois. Oh. Je dis, c'est des villageois. Allez-y dans le camp. Si vous voyez un camp, un seul camp qui est comme le nôtre, je dis un seul camp dans tout le camp. Nous ne sommes pas dans le nord Macombe. Je dis dans tout le camp. Qu'il y a un seul camp qui est comme le nôtre, maison principale avec 17 maisons alignées. Un seul qui est comme le nôtre, sans clôture, parce que mon père voulait tout le monde chez lui. D'accord? Un seul. Je suis prêt à payer le prix. Et il n'y a aucune maison chez moi en terre battue. Aucune. D'accord? Donc, et quand je dis à Gaston Combat que moi, il mourra en face. Parce que s'il a mis sa majesté là pour tenter de m'humilier, je vais sortir. J'ai les messages. Hein. J'ai les messages. Hein. Comment il a été nommé, c'est lui qui le dit. Hein. J'ai les messages. Hein. De comment tel détourne à l'Assemblée. Hein. Je vais le mettre en public.
Donc, je le dis maintenant haut et fort, parce que comme ils ont tenté, ils pensent qu'ils ont un pouvoir, ils supposent avoir un pouvoir, et ils citent les noms des gens dedans, ils citent des personnes qui tentent, qui détournent l'argent à l'Assemblée, ils citent les familles des gens. Moi, je vais le rendre public. On va dire là que c'est un peu du Congo, ça. Non, monsieur, moi, faux. Nous ne sommes plus dans le bœuf politique. Non, on est dans le bœuf politique. Et j'interpelle celui-là, par exemple. Mais demandez à un seul. Trouvez-moi un homme d'une camp. Je n'ai pas dit deux. Un qui s'entend avec celui-là. Un depuis qu'il est nommé. Un. Je n'ai pas dit deux. Bon, on va passer un coup de fil à M. Samuel Motte, alors, pour savoir non, si c'est... Non, ne posez pas la question à l'aîné. L'aîné Samuel Motte est très, très... Excusez-moi s'il faut les classer sur une échelle de 10 niveaux, moi je mettrais l'aîné au 9e et je mettrais Gaston Combo au rez-de-chaussée au sous-sol. Bon. Je suis sincère. Je suis sincère. Alors, dans le camp, vous ne verrez pas trois personnes qui parlent avec lui sincèrement et vrai. Que ce soit le sénateur qui est, il ne peut pas le gaver. Que ce soit le suppléant, il ne peut pas le gaver. Que ce soit n'importe qui, même les hommes d'affaires, ne peuvent pas le saluer à la main. Moi, j'étais le rat qui le saluait. Et beaucoup me faisaient le reproche. Et aujourd'hui, les gens me disent, on t'avait dit, je ne suis pas choqué d'avoir adopté le comportement que j'ai adopté avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis sorti très intelligent et j'ai beaucoup gagné dans cela. Je me permets de finir. Parce que le même Gaston Combat, c'est lui qui a induit Mwenchu en erreur. Mwenchu? L'ancien ministre, l'ancien Mindu de l'urbanisme et de l'habitat, qui a entraîné Mwenchu à suspendre un contrat contre la société Fambel, famille Belatin, d'une route dans l'Onkam pendant 8 ans. Route déjà réalisée à plus de 60%. Le ministre, il a induit le ministre à suspendre le contrat et après le remettre en marche. Notre soeur, Bangalde, du côté de notre mère, Courtès. Elle aussi est induite en erreur, toujours par lui, juste par les guerriers, pour les guerriers d'une camp. Induite en erreur par lui, le contrat est livré, réceptionné déjà, elle décide de l'annuler. Madame Courtès. Oui, elle décide de l'annuler. Mais aujourd'hui, ce contrat peut valoir en pénalité moratoire plus de 13 milliards à l'État du Cameroun. Madame Courtès, bon, je ne suis pas... Donc, c'est pour vous dire jusqu'où certaines élites, en particulier celui-là, croient que, en commettant des choses aussi infâmes et ignobles, pourront aider à détruire certaines familles. Non. Attendez, dites-moi Alain Belaté, est-ce que vous avez essayé de rencontrer Madame Courtès sur ce dossier-là? Non, c'était elle à chercher à nous rencontrer aujourd'hui. C'était elle, puisque le Premier ministre nous a donné raison. On a la décision du Premier ministre. On a les demandes d'explication adressées au Mindu et... Je vous disais au début de cette émission qu'au Cameroun, on a l'impression que chaque personnalité se sent investie d'un pouvoir royal à son poste. Donc le Premier ministre peut vous donner raison et elle de son côté... Non. Moi je veux vous répondre dessus. Le dossier au tribunal administratif et les membres du tribunal administratif du centre. Et les membres du tribunal? Non, les membres, les magistrats membres. Oui. Sont des magistrats capés. Capés. Monsieur Georges Mika en fait partie? Non, pas du tout. C'est pas pour dire qu'il n'est pas capé, hein, non. Là-bas, vous avez beaucoup... Je salue le magistrat, monsieur Georges Mika, même s'il ne me répond jamais par WhatsApp, c'est pas grave. Il ne me répondait pas, mais je vais quand tu vous saluer. Non, les magistrats du tribunal administratif sont capés. Et je peux vous dire que la décision va tomber. Elle va tomber, la décision. Et l'État, par cette bêtise, induit toujours par le même Gaston Combat. C'est les gars d'une cam. Parce que mon frère voulait être député dans l'Onkam. Mon père vivait encore. Et vous avez suivi l'honorable Cabral Libi lors des débats présidentiels là, sur Canal 2. Il avait dit à Gaston Combat que vous avez payé des gens pour aller agresser un de vos adversaires politiques dans le RDPC en interne. Oui. Il s'agissait de mon grand frère, Philippe. Ah bon, Philippe Bélatien? C'est mon grand frère, même père, même mère. C'est mon frère aîné, même père, même mère. D'accord. Donc il a payé des bourreaux pour aller l'agresser physiquement, pensant lui ôter la vie, mais les populations se sont soulevées et un d'eux en prison. Lui, parce qu'il était député, on n'a pas la procédure, vient d'être remise en marche là, il va être convoqué.
pour être auditionné dans le cadre de ces agressions. Voilà le genre de personnages qu'on a dans notre pays. Et vous croyez que ça pour moi, les guéguerres dans le camp, excusez-moi, c'est souvent les médiocres. C'est souvent les médiocres qui veulent absolument exister par la bêtise. C'est-à-dire qu'ils commettent tellement de bêtises qu'ils finissent par exister par la bêtise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a cette procédure contre l'État du Cameroun qui va coûter environ 13 ou 15 milliards à l'État, mais... Alors, je vais vous apprendre qu'une autre procédure contre l'État du Cameroun a été diligentée aux États-Unis au sein du CIRDI. Le CIRDI, je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est. Je suis certain. Le CIRDI est une institution qui est au-dessus de l'ONU, qui juge les affaires entre les États et les grosses entreprises. D'accord. Et là-bas, le Cameroun risque de perdre 1 milliard de dollars. Pas de français, enfin, 1 milliard de dollars. D'accord. Dans ce dossier, je sais que l'ancien footballeur Patrick Mboma a été auditionné il y a un mois. Dans ce dossier, on a vu le garde des Sceaux du Cameroun et l'ancien ministre des Travaux, Nganou Ndoumbassy, était ancien ministre des Travaux. Oui, il est ministre des Travaux. Le président poste était ministre du budget, de l'économie. De l'économie. Alors, le ministre, le garde des Sceaux, l'ancien ministre du budget, pas de l'économie, je crois. Je sais pas, bon, allez. Les deux se choquaient là-bas, chacun voulant présenter son avocat. Une guerre qui fait honte au Cameroun. Donc, je suis ce dossier-là, j'aurai. Il y avait d'ailleurs une conférence sur ce dossier au George Law University à Washington, D.C. Oui, cette conférence allait se tenir le 16 mars 2020. Je prenais mon avion le 15 mars pour couvrir, mais notre Donald Trump a interdit le vol européen d'atterrir. Voilà comment j'ai perdu le billet d'avion. Je peux me donner le nom, l'hôtel où j'allais être logé. Comme ça, ceux qui pensent qu'on les connaît peuvent vérifier. J'allais passer une semaine au Radisson Hotel de Baltimore, 5 étoiles. Vous pouvez donc vérifier mon nom, il est enregistré. Peut-être il me remboursera un jour. Donc j'allais poursuivre ce dossier-là parce qu'une conférence allait être tenue là-dessus au sein de George Law University, qui est la plus grosse université du droit aux États-Unis. Dans ça, au Cameroun, vous ne le savez pas, et mes confrères n'en parlent pas, peut-être ne sont pas au courant. Non, vous savez, chez nous, on a de très bons journalistes, mais seulement certains sont biaisés. Certains sont biaisés et en passant, je salue mon petit frère Thierry Donwona, qui est quelqu'un de libre. Il ne se mêle pas, il ne se laisse pas habiter et acheter par certains. Je vous salue également. Vous avez ainsi plein de procédures contre l'État du Cameroun et plein de situations dont certains viennent nous les briefer. Comme si on exagère, oh non, nous on parle trop, on exagère, ça ne se passe pas comme ça, tout se passe bien, tout est beau. C'est comme quand on a parlé de le fiasco de la CAN en 2018. Tout à fait, tu veux bien. Hein? Moi j'ai entendu certains venir sur les plateaux dire que les affabulations sont fausses, on livrera les stades à certains Zogo. Secrétaire général du ministère de la communication, 6 mois avant. Je vois ce monsieur. Jusqu'à ce jour, moi j'ai envoyé un communiqué l'autre jour sur la plateforme pour demander que, bon, rendu au 18 juin 2021, ce sera 6 mois après ou avant que les stades seront livrés, de 2019, ce sera 6 mois après ou avant. C'est le silence total. Il était dans un forum avec moi, le forum intégration, qui est l'initiative de mon petit frère, Thierry Donwona, que je salue à nouveau, que j'aime beaucoup. Il a juste brandi des menaces de me faire arrêter. Je lui ai dit, bon, écoutez, monsieur le secrétaire, arrêtons un peu votre charlatanisme. Je prends le vol tel jour, je serai là tel jour, arrêtez-moi, je vois. On va des trous dans ce pays, arrêtez-moi, je vois. C'était le silence. Il est sorti du forum, il n'a plus jamais rien dit là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit, M. Moifo. Les violations de droits dans notre pays sont coutumes. Vous avez vu Boris Bettol, le lanceur d'alerte, le journaliste. Il faut d'abord préciser qu'il est journaliste, parce que beaucoup lui ont dénié cette qualité. Tout à fait. C'est mon petit frère aussi que j'aime beaucoup. N'en déplaise à tous ceux qui vont maintenant commencer à dire « Ah oui, c'est mon petit frère ». Thierry Noona, c'est mon petit frère. Boris Bettol, c'est mon petit frère. Jean-Patient Tchala, c'est mon petit frère. Anaba,
C'est mon petit frère. Il ne faut pas tous les citer, ça va faire une nation. Oui, ils sont nombreux. Qu'est-ce que vous voulez dire de Beauvais?